Tu es un footballeur, tu ne réussiras jamais si tu ne crois pas en toi. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien et j'espère que vous passez de très bons moments ici. Ici, on concerne les footballeurs ou tout autre acteur intervenant, bien sûr, dans ce secteur. Je vous ai dit sur la chaîne ici, ce sont des vidéos de motivation et des vidéos de performance. La fois passée, on avait publié une vidéo concernant, bien sûr, comment réussir, bien sûr, son test de détection. Aujourd'hui, il s'agira, bien sûr, d'avoir confiance en vous. Je vais vous motiver au travers de cette vidéo. Et si vous n'avez pas la confiance en soi, vous ne pouvez pas réussir dans le football. Il y a des expériences que vous n'allez pas lire ça, vous ne pouvez pas lire ça dans un livre ou bien en vidéo ici. Il faut que vous viviez ces expériences-là. Et par rapport à ces expériences, il y a d'énormes, d'énormes expériences. Ouais, et c'est sur le terrain qu'il faut dégager bien cette confiance en soi. Et je vous ai dit lors de mes précédentes vidéos que pour avoir cette confiance en soi, il faut travailler beaucoup, il faut beaucoup travailler. Si vous travaillez beaucoup, ça vous permet d'avoir une confiance en soi qui est au-dessus de la moyenne. Mais si vous êtes un paresseux, vous restez là jusqu'à 7 h, tu es encore sur ton lit, ou bien 8 h, tu es encore sur le lit. Ça va être ton problème. Aujourd'hui, moi, je me suis réveillé à 4 h 30 pour faire mes séries de vidéos et vous faire cette vidéo ici. Vous voyez. Donc, parce que je suis à la recherche de la confiance en soi, je suis à la recherche de beaucoup de choses. Si tu dors trop, les gens ont déjà commencé leur journée, tout le monde te dépasse, tu es en arrière. Tu n'auras pas vite fait ce que tu as à faire. Tu n'auras pas réussi dans ta vie. Un footballeur ne peut pas rester au lit jusqu'à 6 heures. Déjà à 5 heures, 5 heures 30, tu es déjà en éveil. Tu dois vite te coucher déjà à 21 h 30, 22 heures. Maintenant, si tu es un dur, bon, tu peux te coucher à 22 heures, 22 heures 30. Parce que au-delà de 22 heures, 23 heures, tu ne pourras plus te réveiller. Si tu restes là, appuyer ton portable tout le temps, tu n'auras jamais cette confiance en soi qui te permettra de franchir bien sûr des étapes. Parce que en tant que footballeur, tu as besoin d'étapes. Peut-être que tu es à un niveau un peu bas aujourd'hui et tu vas espérer aller de l'avant, tu vas espérer gravir les échelons. Peut-être que tu as signé le contrat professionnel. Après le contrat professionnel, ce n'est pas encore la fin du monde. Parce qu'il y a beaucoup de footballeurs, ils se contentent du peu. Le gars, il signe un contrat professionnel, il commence par gagner quelques milliers d'euros, il commence à gagner un peu d'argent. Il se dit déjà que bon, c'est fini. Notamment en Afrique, quand les joueurs africains signent, souvent, il y a certains, quand ils gagnent de l'argent, ils se disent que c'est fini. Alors que il doit encore travailler dur pour que l'argent là puisse augmenter. Il se contente au fait du peu. Alors qu'il a encore beaucoup de potentiel, beaucoup de choses à dégager. Donc, la confiance en soi vous ouvre bien sûr ces portes-là. Vous voyez, la confiance en soi vous ouvre ces portes-là, les portes qui sont fermées. Tout le travail. Un footballeur qui se plaint tout le temps, c'est grave. Tu n'es pas le seul à vivre des situations difficiles. Même dans un coin, dans un village, tu sais ce que les gens ont dû là-bas. Toi, tu es en ville ici, tu as la chance d'avoir même un repas par jour et tu es là à te plaindre. Alors qu'ailleurs, il y a certains qui n'ont même pas la chance d'avoir un repas par jour. D'autres ont trois, d'autres ont quatre même, d'autres ont cinq, ça dépend. Vous voyez, tout le monde n'est pas prédestiné à la même chose. Donc, il faut te prendre au sérieux. Les gens ne voient que le résultat. Les gens n'ont pas ton temps. J'avais joué dans un grand club, j'avais joué. Les gens veulent le résultat. Sur le terrain, qu'est-ce que tu prouves? Qu'est-ce que tu sais faire sur le terrain? Le résultat, c'est quoi? Est-ce qu'en tant qu'attaquant, tu arrives à empiler des buts? Tu arrives à marquer beaucoup de buts? En tant que défenseur, quelles sont tes performances? Au milieu de terrain, combien de passes décisives en tant que milieu offensif? Combien de passes décisives tu as fait? En tant que latéral, les performances. Les gens voient seulement le résultat. Les gens s'en foutent de je suis qui, je suis quoi. Non. Ils travaillent en silence, sans bruit. Ce sont les résultats qui feront du bruit. Ce sont les résultats qui vont retentir. Donc, c'est ce qu'il faut cultiver tous les jours. Et n'oublie pas de prier. Quand tu te réveilles le matin, tu fais ta prière et tout et tout. Je vous ai dit de préparer votre journée déjà à l'avance, la veille. Ta journée de samedi ne doit pas être préparée le samedi. Déjà le vendredi, tu fais la liste des travaux à faire, des tâches à faire. Quand tu te réveilles en même temps, tu commences par les faire. Oui, c'est comme ça. Il n'y a pas de magie dans la réussite. Il n'y a pas de. Maintenant, est-ce que tes objectifs sont clairs? Maintenant, parmi ces objectifs, il faut avoir des objectifs spécifiques. Ah, je veux jouer au niveau professionnel dans 5 ans. Ça, ce n'est pas un objectif spécifique. Ça, c'est un objectif global. Ça ne suffit pas. Dans 5 ans, maintenant. Dans un an, je dois être où tu divises de manière mensuelle. Maintenant, dans telle semaine, par jour, je dois faire quoi pour pouvoir atteindre cet objectif? C'est l'objectif spécifique, ça. Par jour, je dois faire quoi pour pouvoir atteindre l'objectif global?
S'il n'y a pas ça et tu dresses seulement des objectifs de manière globale, ça ne va pas marcher. Par jour, je fais quoi? Est-ce que je dois faire 2 séances par jour? Est-ce que je dois faire 3 séances par jour? C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de footballeurs aujourd'hui ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas travailler, notamment en Afrique. Ils ne veulent pas travailler. Alors que la porte du succès, c'est le travail. Pour signer le Graal, c'est le travail. Pour avoir un contrat digne du nom, c'est le travail. Maintenant, si tu signes un contrat et tu restes là, dormir sur tes lauriers, pensant que bon, tu es déjà arrivé, du jour au lendemain, tu vas encore perdre ce contrat-là. Bien, tu commences pas à gagner de l'argent, tu commences pas à mal dépenser ton argent, tu vas encore retomber en bas. Il y a combien de beaucoup de footballeurs ont été ruinés. Les cas Emmanuel Eboué, les cas beaucoup beaucoup de footballeurs, parce que à une certaine période, ils ont gagné de l'argent, mais ils n'ont pas su gérer. Certains sont allés prendre bien sûr des femmes blanches qui leur ont créé des problèmes plus tard. Des mariages par-ci par-là où c'est la femme qui doit ramasser 100% ou bien 80% de votre richesse. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc il faut avoir la tête sur les épaules. Pour pouvoir avoir cette confiance en soi, oubliez la femme, oubliez les filles par-ci par-là. Elles ne vous feront pas du bien au fait. Tu vas dispenser ton énergie, ton argent. Tu vas mettre ton argent dans des choses, tout ça là. Tu vois. Donc débloque ton potentiel. Concentre-toi sur toi-même, sois focus. Il faut que les tâches journalières que tu as énumérées soient réalisées. Et tu essaies de les pointer. Une journée réussie. Une semaine réussie. Un mois réussi. Ça fait des mois réussis. Ça fait des années réussies. Et tu vas pouvoir atteindre ce niveau-là. Tu vas pouvoir atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Le football, ce n'est pas un sport où, bon, comme j'ai entendu qu'il y a beaucoup d'argent dedans, je dois me lancer. Comme les gens gagnent assez d'argent, je dois me lancer dedans. C'est pas ça. C'est beaucoup de sacrifices. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices. Vous savez le nombre de les sacrifices que moi j'ai fait avant de venir vous faire des contenus ici. C'est pas de l'amusement. J'essaie de changer de format. Je fais des contenus à plein air ici. Je fais des contenus en studio. Je fais des contenus tout juste pour que vous vous sentiez mieux sur la chaîne. C'est-à-dire, moi je travaille sur vous, mais moi j'ai des objectifs que je dois atteindre. Les objectifs que je dois atteindre, c'est rassembler beaucoup de communautés ici. Donc vos amis qui ne sont pas encore dans notre groupe WhatsApp, il faut leur conseiller notre groupe WhatsApp. Le lien est en description de cette vidéo. C'est bon, en commentaire, je ne mets plus les liens en commentaire. Allez en description de la vidéo, vous allez voir le lien du groupe WhatsApp et vous allez intégrer le groupe WhatsApp. Si on a une communauté de 100 personnes ou bien 200 personnes, 200 footballeurs, 300, c'est déjà bon dans ce groupe WhatsApp. Là, parce que quand les vidéos sortent là, c'est ici, c'est dans le groupe WhatsApp que j'envoie en même temps. Donc, ils sont les privilégiés, ils sont les premiers à voir, bien sûr. Maintenant, reste à savoir si tous ceux qui sont là regardent réellement les vidéos. C'est ça encore. Est-ce que tous ceux qui sont là regardent réellement les vidéos? Maintenant, quand on regarde une vidéo, c'est pas regarder la vidéo en diagonale. Vous allez liker, vous allez vous abonner, c'est ce que je vais vous demander de faire. Si jusqu'ici tu n'as pas encore liké ou bien abonné, de t'abonner à cette chaîne. Donc, débloque ton potentiel. Tu ne réussiras jamais si tu n'as pas confiance en toi. Si tu ne crois pas en toi, si tu ne réussiras jamais. Si tu ne crois pas en toi, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va croire en toi et t'aider? Il faut d'abord croire en toi. Ça part de là. Et la détermination, le travail acharné, ça va te sauver la vie. Et je vous ai déjà dit d'avoir un pourquoi. La plupart ici, bon, peut-être que vous n'avez même pas un pourquoi. Pourquoi vous voulez jouer? Pourquoi vous êtes en train de vous battre? Si vous n'avez pas ce pourquoi-là, qui va vous réveiller chaque fois quand vous serez fatigué même, quand vous n'aurez pas envie de travailler? Donc, c'est pas la peine. C'est le pourquoi qui vous oblige à vous discipliner, à respecter votre plan de discipline, au fait. Donc, si vous n'avez pas le pourquoi, ça ne peut pas. Donc, jeune footballeur, tu sais déjà ce que tu as fait. La balle est dans ton camp. Réveille-toi, motive-toi, bouge-toi. Maintenant, si tu as des questions à me poser, bon, moi, mon numéro est ouvert. Plus 229 53 63 87 30. La nuit dernière, il y a de cela 4 jours, bien 5 jours, des gens m'ont posé des questions. Si je peux répondre, je réponds. Maintenant, si la question nécessite beaucoup d'explications, je vais te dire de passer en entretien. Les entretiens que j'organise, tu vas prendre un entretien d'une heure ou bien 30 minutes. Vous voyez. Mais l'entretien n'est pas gratuit. C'est un peu ça. Donc, j'espère qu'au travers de cette vidéo, vous aurez appris quelque chose. Si vous avez appris quelque chose, dites-moi cela en commentaire et likez, partagez la vidéo. On se dit.
À tout moment. Ciao.